Bien, donc après avoir fini le Pays des Merveilles, nous pouvons soit nous rendre directement au prochain monde, qui est cependant au niveau de combat 3, soit nous rendre à celui-ci où le niveau de combat est de 2. Le problème, c'est que si nous voulons venir à ce monde-ci, nous devons repasser par travers, ce qui implique de refaire le passage en vaisseau Gumi pour ensuite en faire un autre. Donc personnellement, je vais foncer ici directement. C'est pas une super idée, mais j'ai pas envie de refaire le vaisseau Gumi. C'est un peu le problème, c'est que ces phases sont sans être monstrueusement longues, ni passionnantes, ni très fun. Alors je pense qu'elles seraient fun si je tirais dans tous les sens, mais l'un comme l'autre, je veux dire, elles sont pas particulièrement populaires pour une raison. Et c'est parce que, c'est pas si marrant que ça. Vous pouvez modifier votre vaisseau Gumi si vous voulez, mais qui le fait en fait, à part ceux qui ont vraiment la passion, ce genre de truc. Que je dis tout de suite, pas moi. À terme, comme je l'ai dit, je les couperai. Là, pour le moment, je les laisse juste pour vous montrer à quel point c'est fun. À la place, je fais des runs pacifiques des zones. Parce que comme ça, c'est au moins, j'ai l'impression de faire quelque chose d'intéressant plutôt que de rester à veiller sur rond constamment. Mais il y a des fois où je suis obligé de détruire au moins certains obstacles parce que ça... Voilà. Mais disons que j'essaierai de détruire le moins d'ennemis possible. Après, les environnements sont pas mauvais, mais ça serait plus agréable si vous aviez moyen d'accélérer. Vous pouvez ralentir, mais vous pouvez pas accélérer. Et c'est un peu le problème. Mais moi personnellement, j'aimerais bien aller plus vite. Mais à terme, ouais, je les couperai. C'est juste que moi, de mon côté, j'ai pas envie de manger les deux. Et puis, il me semble qu'on peut peut-être avoir un chemin qui va nous relier le monde à 3 étoiles au monde à 2 étoiles, de sorte que si je veux, je peux faire l'aller-retour entre les deux sans avoir besoin de m'enquiquiner à passer par traverse constamment, parce que c'est un peu 2 phases en vaisseau Gumi au lieu d'une. Vous voyez l'idée. Hop. Le monde! Tirez dessus! C'est celui-là, 3 étoiles? Je pensais que ce n'était un autre. Enfin bon. Dis, Donald, tu crois que le roi est ici? Attends, et si Riku et Kairi étaient ici, eux? Faut que j'aille vérifier. Fais-nous atterrir, s'il te plaît. Mais moi, je veux descendre. Si. Mes noms sont très bizarres, je sais. C'est ce qu'on va voir. Oups. Mais j'ai appuyé sur le bouton croix! Je vous jure, c'est pas moi! Bon, la zone est normalement un peu trop haut niveau, donc ce n'est normalement pas une très bonne idée de la faire directement. Mais tant pis! Aïe! Bobo! Oh, my head. Donald? Goofy? Et on commence tout de suite avec un mini-boss. J'aurais peut-être dû prendre le temps d'essayer d'équiper le saut atomium qu'on avait eu la dernière fois. Ah, il fait relativement mal. Pas nécessairement mal à ce point avec ses attaques. Mais il bourrine beaucoup. Alors vous pouvez le renvoyer un peu dans tous les sens comme ça. Ah, et idéalement, si vous arrivez à le rechoper alors qu'il n'a pas eu le temps de se relever, c'est cool.
Sabor. Danger. Thank you. Thank you. What is this place? This place. Okay. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Hmm? Friends. Friends. Right, my friends. There's two of them. The loud one is Donald. Uh-huh. Know what? Never mind. I'm looking for my friends, Riku and Kairi. Look for Riku. Friends. Right. Kairi. Friends. Right. Oh, friends. Here. Really? Huh? Friends. Here. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Tarzan. Go. And I'm Sora. Tarzan go, Sora go go. Je vois ce coffre. Je veux dire, jungle profond. Gorge, where are we? I sure hope Sora's okay. C'est bon, je peux jouer. Reviens Tarzan. Ah, donc nous récupérons Tarzan. Car c'est quelque chose qu'on attend. On a un nouvel allié. Tarzan est bien entendu limité exclusivement à la forêt profonde. Donc il n'y a pas d'intérêt à vraiment trop se préoccuper de lui sur le long terme. Mais il reste néanmoins un personnage très intéressant. Il est honnêtement bien meilleur que Donald ou Dingo, et il est donc recommandé de mettre Donald de côté, du moins lors de votre première visite. C'est gênant pour les marques trio, mais malheureusement Tarzan est meilleur que ce pauvre Donald sur tous les points. Je veux dire, regardez ça, il nous dégomme complètement dans les statistiques à exception des PV. Bon, et des PM techniquement, mais c'est normal. Bon, les PC, il en a énormément, mais c'est normal, je crois pas qu'ils évoluent beaucoup. Mais il a plus d'attaque que nous, plus de défense que nous. Ah, et deux niveaux de plus aussi. Je sais plus s'il a des... Il a juste sa lance. Qui est, voilà, 3 de dégâts ou je sais pas quoi. En parlant de ça, d'ailleurs, je peux peut-être te mettre le saut atomium. Ça baisse un peu ta... Non, je vais te laisser le brasier pour le moment. En termes de compétences, j'ai rien de nouveau. Tarzan, de son côté, donc, en possède beaucoup. Dernière force permet de résister à un chaos en gardant un PV. Permet de s'enlever un cas en peu de temps avec CP au maximum, ce qui est excellent. Permet de créer un écran protecteur, etc. C'est de la cochonnerie. Non. Désactiver. Permet de redonner des PV en faisant appel à la force, blablabla. Ça, c'est bien. Permet d'assommer la cible. Ça, c'est nul. Je vous conseille de désactiver tous ces sorts. À l'exception de Mère Nature, puisque ben ça vous soigne. Et c'est bien, les soins. Et vous pouvez donc lui activer ces deux trucs de coups critiques... en avoir deux augmente les chances qu'il en ait, et plus, et comme ça, ça lui donne de bonnes compétences, dont un soin. Ce qui est relativement essentiel, car le boss local est ultra lourd. C'est l'un des boss les plus durs du jeu. Pas vraiment dur dans le sens gros stats, etc., mais dans le sens c'est celui qui a le plus de chances de vous causer le masse de game over, parce qu'il fait
mal et vous n'avez pas de bonne méthode de soins à ce niveau du jeu à part les potions. Les potions, ça prend son temps à venir. Donc là, la cabane où nous sommes, il y a moyen d'explorer un petit peu la zone, même si c'est pas le plus facile. J'aurais aimé voir si je pouvais, parce que ça peut être utile. Alors, il me semblait d'ailleurs avoir vu une fois qu'il y avait un truc qu'on pouvait faire. Quoi que c'est peut-être plus tard, je vais peut-être éviter de m'attarder trop dessus. Il y a quelques coffres dans le coin, mais c'est pas les plus accessibles ou les faciles à récupérer. J'ai essayé de voir si je peux pas les choper, mais c'est un peu bizarre. Comme je crois l'avoir dit une fois, ce jeu n'est pas nécessaire. Enfin, ce jeu, c'est de la plateforme. Mais c'est pas nécessairement de l'excellente plateforme, dans le sens où Sora est parfois très bizarrement maniable. Et ça peut vous permettre de faire des trucs marrants. Donc déjà, on va prendre ce tonneau. Et on va le jeter ici, pile devant, pour arriver sur cet escalier. Notez que ça m'est arrivé de pouvoir monter sur cet escalier sans l'aide du tonneau, mais faut vraiment sauter dans tous les sens et c'est très bizarre. Donc on peut sauter de l'autre côté par ici comme ça, mais par contre le saut pour arriver en face va être un peu trop bizarre pour que ça vaille le coup, donc je vais éviter de le faire. Par ici je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial, attention il y a un trou ici. Là-bas on peut clairement pas y atteindre simplement avec un saut normal, et ici de ce côté là, on peut accéder à cette échelle. Voilà, ce qui va nous permettre d'accéder au sommet de cette espèce de cabane géante. C'est presque une maison en fait, une cabane. Ah, c'est assez surprenant qu'elle soit encore en état d'ailleurs, parce que j'aurais imaginé que du bois brut comme ça, c'est pas super solide, mais bon. Et on va sauter de ce côté-là pour pouvoir atteindre ce premier coffre. Après tout, il est là, on prend collier carapace. Je crois qu'on a... le collier carapace, de la cochonnerie. Vous pouvez le donner à Tarzan, mais par contre, faut surtout pas oublier de lui déséquiper à la toute fin. Parce que, bien entendu, lui, il va pas en avoir grande utilité. Je doute que ça passe, mais vous savez quoi? Geronimo! Non, ça n'a pas marché. Donc on va le laisser tomber, ce coffre-là. On va plutôt récupérer celui-ci, qui est au sol. Lui, au moins, je suis sûr de pas le rater. Et il nous donne une méga potion. La méga potion peut être relativement utile dans ce monde encore. Mais c'est vraiment à cause du boss qui est super lourd. Mais le vaincre vous donne par contre un truc super utile. Donc en soi, ça dit ça. Cet endroit est déjà un monde un petit peu plus intéressant. Donc là, on a ces espèces de fleurs, machin chose. J'ai jamais vraiment compris à quoi elles servaient. J'ai pas intention de m'en préoccuper plus que ça. En toute honnêteté. Ici on a deux passages par lesquels on peut passer, il me semble, quoique le deuxième est peut-être pas encore ouvert, donc je vais pas m'embêter avec. Ouais, mais je peux pas passer en face. Bon, peu importe. Là on a déjà une marque trio, mais je ne peux rien... Ah bah si, là voilà, le voilà. Donc on peut se laisser tomber ici. Ah waouh, je crois que j'étais même pas supposé passer par ici déjà. Je déteste cet endroit. Ouais, je sais, je déteste beaucoup de choses déjà dans cette zone. Non, j'aime pas ça. Je suis pas. Je pense que la jungle profonde est l'un des mondes que j'aime le moins. Pas parce que c'est un monde extrêmement assis, on peut bien sûr comme ça. C'est surtout parce qu'il est pas super manœuvrable et il est un peu casse-pillé sur certains trucs, genre là où on était juste avant avec les lianes et compagnie. Donc c'est là que je voulais venir justement à la base. Donc là on a un méga éther qui est un éther sur tout le monde, ce qui est utile. On a un point de sauvegarde, ce qui peut être sympathique. J'en ai pas ce point de besoin, mais c'est utile. Et il est d'autant plus utile que nous avons ce truc ici. Plus tard il sera méga important. Maintenant pas tant que ça, mais j'essaierai peut-être plus tard dans le... peut-être juste après la fin du jeu. Mais en gros ce qui va se passer c'est que là, vous voyez cette espèce de segment là, on fait rien de spécial. Vous pouvez sauter, vous pouvez donner des coups, c'est pas vraiment très important en fait, surtout que vous êtes supposé manœuvrer. À terme, ça va devenir une espèce de mini-jeu. Et, ouch. Là, j'ai pris des légers dégâts, oh non. À terme, ça deviendra un mini-jeu. Mais là, normalement, il fallait passer à gauche pour continuer, mais c'était bloqué. Et ça vous donnera des plutôt bonnes récompenses. Mais il est très très lourd, et un peu aléatoire, et très arbre, et très très répétitif.
Mais bien des plutôt bonnes récompenses. Donc voici déjà nous en plein milieu d'un campement. Avec encore une marque trio bleue. Une carte aussi par terre que je vais ignorer pour le moment car je vais... Non, je vais les récupérer maintenant. Diapositive numéro 3 parce qu'après il y aura des ennemis partout et ça va être casse-pied. Diapositive numéro 4. Ici nous avons une horloge de grand-mère donc il y a forcément un élixir dedans. Ah non. Bon. Ok, je pensais. Par ici, nous avons une autre diapositive encore. Numéro 6. Numéro 1. Ah ben, je sais pas qui s'occupe du rangement ici, mais c'est pathétique. Hein. Numéro 5. Et numéro 2. Donc si on regarde, déjà ça je vais le ranger. Et... Oh waouh, j'ai plus de potions. Ça pourrait être meilleur. Tant pis. Ça risque d'être super limite. Je suis pas sûr que je vais pouvoir vaincre le boss local sans plus de potions. Bon, au pire, j'ai des potions plus. Ah, donc cependant, je voulais voir ça. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est tout. Allez hop, on entre dans la tente. Jane. Tarzan. Oh, and who's this? Hi there. I'm... Oh, you speak English. So then, obviously you're not related to Tarzan. Are you here to study the gorillas? Highly doubtful. Sorrel! Goofy! Donald! A circus of clowns. Not much use for hunting gorillas. Mr. Clayton, we're studying them, not hunting them. This is research. Well, the more the merrier. Do make yourselves at home. Well, anyway, I'm staying. Huh? Sora, look what we found. Look at this. C'est quoi ça? Un bloc Gooby. C'est avec ça que notre vaisseau est construit. Ça veut dire... Bien, je vous autorise à me suivre. Pour l'instant. Et nous avons obtenu un bloc peu importe. Alors, je vais... quand même prendre les deux pour le moment, puisqu'on a une marque trio juste à l'extérieur de la tente et je vois pas l'intérêt de l'ignorer pour le moment, mais je vais prendre Tarzan à la place de Donald. Parce qu'à nouveau, Tarzan est bien, mais en fait, Tarzan possède la capacité à pouvoir taper au corps à corps que ce cher Donald n'a pas. Je vais mettre le saut atom... Quoi? Ah, j'ai aussi accès à... D'accord. Mais en prime, donc... Laisse-moi tranquille. Voilà. Il peut taper au corps à corps, etc. Ce qui est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Enfin, pas le plus, mais disons que... Ouais. À terme, quand on reviendra dans ce monde pour tout réexplorer bien correctement, là, j'ai envie de dire, ça sera déjà beaucoup plus... Enfin, là, je prendrai pas Tarzan ni quoi que ce soit. Bon, passons. Là, par contre, je vais les réintervertir rapidement parce que... Définitivement, ouais. Donc, compagnons, on va inverser Donald et Tarzan. Tu donnes une équipe très costaud. Je suis désolé, pas Donald, Dingo et Tarzan. Je suis désolé, hein, Donald. C'est pas que je t'aime pas, mais... Visiblement, Tarzan a été élevé dans cette jungle par les gorilles. Il lui est encore difficile de communiquer, mais il apprend. Ah, alors il parle de gorille tout à l'heure. Oui, mais au fait, tu cherches tes amis. Oui, Rico et Kairi. Tarzan a dit qu'ils étaient ici et un mot que je n'ai pas compris. Ce projecteur pourrait être utile. Montrons des diapositives à Tarzan et voyons si ça correspond à ce mot. Oh, où sont passées les diapositives? Numéro 1, un château. Bizarre. Y a-t-il, Sora? Ah, quoi, non, rien. Cet endroit me rappelle quelque chose. Mais pourquoi? J'ai jamais quitté une île. Ok. Ok.
Ok. Ouais. Ah, des épées. Well, Tarzan? Where are my friends, Riku and Kairi? Hey, I thought... That leaves just one place. Young man, we've been in this jungle for some time now. But we have yet to encounter these friends of yours. I'd wager they're with the gorillas, but Tarzan refuses to take us to them. Really, Mr. Clayton? Tarzan wouldn't hide... Then take us there. Take us to the gorillas. Gorillas. Tarzan, are you sure? Tarzan, go see Kerchak. Kerchak? He must be the leader. Perfect. I'll go along as an escort. After all, the jungle is a dangerous place. Oh non, il est magnifique. Peut-être. Alors, donc, maintenant que nous avons tout ça, nous... Oh, toi! Comment il l'avait appelé déjà? Sabor, Sabor. Enfin, définitivement basé sur... Non, de sabre, vous savez, sabre. Sabor. Il arrive de temps en temps à la place des ennemis normaux. D'une certaine manière, c'est plutôt bien, parce que même s'il pique un petit peu, il file une quantité modeste d'expérience, je veux dire, moins que si vous affrontiez les ennemis en eux-mêmes. Et donc, avec vos deux alliés, déjà, ça va un petit peu plus vite. Et surtout, ça fait que c'est le seul ennemi du coin, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant que nous sommes là, nous allons faire un petit peu de chimie amusante, et après on arrête. Donc déjà, on a un service à thé qui ne me fait penser à rien du tout. Je sais pas pour vous, c'est absolument rien. Alors, donc déjà, allumer la cuisinière. Alors, préparer une potion pour la base. Méthode de duplication. Refroidir la base. Je comprends rien. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux recettes actuellement, mais il faut les tirer. Mettre une potion dans la marmite. Alors, attendez, on a deux recettes, donc on va essayer de les faire correctement. Donc on a la recette, la note de cuisine numéro 1, allumer la cuisinière. Mettre une potion dans la marmite. Non, ça on s'en fiche. On a les notes de labo. On peut commencer l'expérience. Ok, d'accord. Donc on verse la potion. Il faut verser la base et la refroidir. On peut passer à la phase de duplication. Et l'expérience est réussie. Ok, j'ai pas vu ce que j'ai eu. Éther. J'ai obtenu quoi? Oh! Oh, j'avais pas vu ça, mon grand. Merci, merci, merci beaucoup. Ah, donc apparemment, on a eu... Donc déjà, on a obtenu... Donc j'ai fini l'expérience ici, ok, d'accord. J'ai pas suivi. Je m'avais gâché ce que j'avais eu. Je crois que j'ai eu un éther. Un éther. Et j'ai pas fait gaffe de ce que j'ai obtenu. Peut-être peut-être que c'est tout. Et ça m'apprendra à aller trop vite. J'écrirai à l'écran. Donc on peut commencer la recette. La potion est dans la marmite, il ne reste plus qu'à allumer. Donc déjà il faut du feu. Déjà il faut ouvrir cette cochonnerie. Et voilà, la cuisinière est allumée. Et voilà. Et nous avons gagné une potion plus. C'est rien d'extraordinaire, c'est donc oui une potion plus, c'est un éther. En fait je crois que c'est littéralement voilà le concept. Mais c'est utile. Et c'est là. Yeah, ouais. Ah, cependant, maintenant qu'on a récupéré ça, qu'on a Tarzan, qu'on a récupéré au moins Dingo, Donald, ça sera plus tard. Je pense que je vais m'arrêter là et que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on puisse explorer ce maudit monde que je n'aime pas des masses. J'irai voir aussi si je peux pas débloquer le mini-jeu maintenant, mais c'est probablement après.
C'est un mini-jeu, c'est une cochonnerie en toute honnêteté. Il est intéressant, mais il y a tellement de phases que c'est très lourd. Mais bon. Donc cependant, je pense que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on explore un petit peu la zone et que, bon, on essaye de voir un peu de son trou. Donc d'ici là, ciao! Sabor, léopard redouté de tous ceux qui vivent dans la jungle, et l'ennemi de Tarzan et des gorilles. Sabor est un chasseur sournois qui s'attaque aux faibles et aux êtres sans défense. C'est un petit peu la définition en général des prédateurs, vu que s'attaquer à des trucs qui peuvent les tuer, c'est pas comme ça qu'ils vont survivre.